Ouais, du coup, n'empêche, il n'y a pas trop de différence que tu choisisses pacificateur ou survivant pour l'instant. À part la mission vraiment faire exploser le moulin, c'était trop bien. C'était avec le mec qui bégaye là. Avec le gros là? Non, Ah, avec le sien. l'ingénieur, ouais. Ah. Ah, le vendeur. Ouais, et du coup il est mort. Spoiler. Je me suis spoilé. J'ai vu, il y avait des défis avec le parapente là. Même pas je l'ai fait. Hein. Ça va être trop dur. À moins qu'ils fassent une mise à jour, ils rendent le truc beaucoup plus maniable, mais. Ou alors faut avoir le niveau max. Oh, mais déjà qui me tapent. Ils sont dans la zone safe. Ah, c'est fini. J'attends de récupérer de la camomille et je me fais taper. Oh non, c'est pas bien, c'est pas bien. Ouais. Vis ma vie de L. Nous c'était ça, hein, on elle allait l'a... chercher de la camomille avec nos profs de littérature. Putain, mais il spawn à côté de moi, il était pas allé à 500 000. Wow! Mort. Je c'est comme me fais ça jamais. qu'on. Comme ça qu'on fait, frère. Bah en fait, ce coup, il est cheaté, hein. Il est one shot quasiment. Hein. Bah ouais, je vois ça. Alors que moi, je suis là avec mes armes de 52 de dégâts. Dégâts. C'est où? Ah, alors, c'est moi, là-bas. je te dis, il faut faire. Hein. Ouais, je pense que c'est le prochain truc que je débloque. En fait, dans mon autre partie, j'avais ramassé plein d'inhibiteurs. Exprès, je les ai pas utilisés. Et en fait, vraiment, si tu t'améliores pas, c'est quasiment injouable une partie. De faire une game sans rien. Bah, j'ai essayé, mais Bon. après, t'es obligé quoi. Genre, le truc du pont pour aller jusqu'au magasin de voiture, tu peux pas le passer sans. Attends, il est Dégage où? toi! Il est où ce bar? Bar tabac. Et moi je passe par les bâtiments, j'avais tous les zombies. Oh eh oh. Oh eh oh eh oh. Ah c'est bon, j'y suis. Il y a un vendeur. Allez, venez m'acheter un truc quoi! Est-ce que t'as de la technologie militaire? Je crois pas hein. C'est quand Dans qu'on a les guns? Rien n'a pas. Dans des netas, on avait des guns. Ah, y a pas. Jure? Ouais. Wow. Le seul truc qu'on peut avoir, c'est soit des arcs et une arbalète. Sachez. Là, on est en Moyen-Âge ou quoi là? Bah, ouais. Si, y a Au un combat, endroit dans frère, la ou quoi là? ville, je sais qu'il y a des camions et dans la remorque, il y a une sorte de lance-projectile. Ça chicote, hein. Ouais, mais voilà quoi. Ah, c'est pas très mobile, ouais. Maître artisan, qu'est-ce qu'il veut artisaner là? Les femmes comme Lawan, soit... Ah bah comme t'as ça vu, ça tu vas voir si tu peux améliorer ton parapente. Ah c'est où ça? Dans les mods? Non, améliorer, l'autre onglet. Ah. Leur cocktail. Parapente. Hey, les assoiffés, j'ai de la qualité. Il me faut un truc, il me manque un truc. C'est quoi? Je regarde parce que je suis trop loin. Zizong zong zong zing zong. Il manque technologie militaire. On manque deux. Attends, t'en as pas du tout. Si t'en as un. Attends, est-ce que j'en ai moi? Moi j'en ai zéro. Q.A. Moi j'en ai. C'est où oh, comme ça? Bah les couilles de J'en ai un parapente. seul. Ok. De toute façon j'en ai qu'un seul donc. T'en aurais pas eu assez. Alors. Pas des mods. On s'en fout des boosters. Munitions, des flèches, on s'en bat les couilles. Ouvre des boosters. Dracofeu. Dracofzboob. Dracofzboob. Ah si, y'a des mods. Alors. Tac. T'as j'avoue que j'utilise aucun Acide. mode. Acide, ça a l'air pas mal ça. Ouais, ça pique hein.
Allez, j'achète. C'est acide. En fait, il met juste une tranche de citron sur ton arme. J'ai l'impression. Gel, j'achète. Ah, c'est une arme à pointe, putain, arme à tranche maintenant. Qui dit économie ? Arme, poignée. C'est quoi ? Lame infectée, ça a l'air balèze. Prends. Fléau. Ah, je suis en fléau, mec. Venin. Ah, c'est juste des petits couteaux de lancer, mais infectés. Mais si je lance sur un zombie, il est déjà infecté, le mec. Il s'en fout. Ah, ça coûte cher, ça coûte 1000, t'as acheté ? Non. non. J'ai que 35 000. Putain, les gars, il est pauvre, le vendeur. Pauvre go. Ici, dit dépense. Non, y a pas un vendeur ou... Ah, ça... ouais. Une acheteuse. Point. Alors, j'allais vendre plein de trucs. En taille. En taille, ça peut être bien, mais que sur les humains, je trouve. Embrasement, ouais. Gel. Oh, ça peut être marrant, ça. Je bouge pas. Je sais pas s'ils vont être vraiment gelés. Moi, j'ai pris gel aussi. Je vais voir. Je peux pas mettre là-dessus. Ah, mais j'ai pas d'armes où je peux mettre des mods. Je l'ai acheté pour rien. Je rigole, mais ça se trouve que moi aussi. Oh, cette vieille, elle est chauffée là. Je crois qu'on peut mettre des mods sur. Je sais pas si c'est les armes violettes ou. La One et Franck un truc comme ça. Une junkie. Bah là où il y a des petits pourrons, je pense. T'es content de toi ? Tu crois que c'est une bonne chose de laisser la ville aux mains des pacificateurs ? Sa gueule. Il y a Johnny Depp qui m'a embrouillé. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? Tour radio. Oi. Je sens que les tours radio, il faut le grappin. Le portefeuille n'a jamais de gueule de bois, lui. Pensez-y. Mais je trouve ça quand même bizarre que quand on choisit les pacificateurs, on puisse quand même aller chez les survivants et tout. Ouais, ça, j'ai pas compris non plus. Parce que les mecs, ils râlent, ils disent ouais, pourquoi t'as fait ça ? Mais ils te laissent rentrer. Ils se disent peut-être il va nous filer l'électricité ou un truc comme ça, tu connais quoi. C'est un pèlerin, mon gars, on peut pas dire non à pèlerin. Camille pèlerin. Un peu de grime. C'est qui ça déjà? C'était une fille au lycée. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas de nouvelles. Pas spécialement. Elle faisait ces trucs avec les pierres précieuses là et puis j'ai plus de nouvelles. Oh! Tu sais, j'ai regardé le let's play de B-Boy là. Oui. Aïe, comment il est flippé tout le temps. Genre les trucs, nous on courait tranquille, lui fait attends, j'ai peur. Marchandise spécialisée, c'est par ici. Parce que lui il est tout seul, non? Non, il est avec Funeral. Ouais, quand tu vas avoir peur. Mais moi je suis une fiotte et j'ai pas peur. C'est dire. Mais en fait, je trouve que ce jeu-là et le premier, ils font pas peur, en fait. À partir du moment où tu peux jouer à plusieurs, ça fait pas peur du tout. Clairement. Même si t'as la première personne en vision, je trouve ça ok. Pour être tout seul, moi, je trouve ça fait peur. Ouais, toi aussi. Toi, The Last of Us, ça te fait peur, donc... Bien sûr. Le Starbucks Goon, ce mec, c'est incroyable. T'as peur de Abby? Non. Vas-y, dépêche-toi là. Ça fait 3 jours que je fais le tour du patelin là. Petit patelin. Dédicace à tous ceux qui viennent des petits patelins. Pour que personne n'a jamais rappé. Pas un flow. Modifié. Oh, toi, j'ai entendu plein de mode. Aïe. De l'acide sur mon arme. De l'acide Cédric. Chargé avec une arme. Acide, acétite, sadicique. Appui. Appui tête. Ah, c'est un zombie lui.
Ouais, les punk. Les zombards. Punk à chien. Tu la pisses et le chien. Lawan. Lawan, t'es là. Lawan. Je vais y jeter un oeil. On voit un message, ça, plus vite. Je sais pas, à nous. Yay! Ah oui, et dans l'autre partie, j'ai fait l'inverse là avec Akon. T'es où? Ah, il est là. Ah, faut être toi. Genre, j'ai laissé tomber Akon. La One est passée par là? Et du coup, ça touche pas? Pour l'instant, rien. Juste, je l'ai laissé avec sa flèche. D'accord. Bon bah le barman du coup. Aiden, t'es allé. Ça fait 12 travaux encore là. Bah non, il a dit c'est le barman qui sait. Je cherche la One. Vous savez où je peux la trouver? Elle était là il y a pas longtemps. Bou. C'est un doux. Oh, elle est moche. C'est lui, le gars Joe dont tu parlais. Oh, c'est agitant. Bagnard. C'est Joe. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Danior, j'ai connu un Daniel. Pas de droite. Jamais entendu. Antagoniste. On part voir Franck. Sale fils de pute, je me demande si tu parleras comme ça avec ta langue coupée dans le cul. De quoi tu parles? Quand tu me chantes. Les amis de la One sont mes amis. Danior dit que pour faire circuler le courant, on va devoir réactiver les autres sous-stations. Il a les boules, Danior. Daniorch. Non, la laisse, refuse. Pourquoi? Vas-y, on tente le coup. C'est du poison. C'est du poison. Je vais refuser. Pourquoi? Parce que je suis ténèbre, mec. La centrale électrique est en marche, mais les câbles n'ont pas résisté. 15 ans, ça laisse des traces. Atrophie musculare nestruite. Les muscles non sollicités. Ouais, pareil. Allez. La mais chambre c'est de du latin, est là-bas. C'est connu. Essayons de comprendre pourquoi moi je l'ai allumé pour commencer. L'anglais, ça. Bien parlé, Gadjo. Ah, excuse, du vieil anglais, je crois. T'as la bonne ambiance, quoi. Tout le monde est bourré. Tu sais, quand ils ont creusé le métro dans les années 1960, allez, ils sont tombés sur des tunnels miniers. Tout a bien failli s'effondrer. Ça pour faire 3 mètres. Est-ce qu'on y va? Un truc sur Franck. Tu vois tous ces gens? N'importe où ailleurs, ils seraient des sauvages. Ils se sauteraient à la gorge. Mais pas ici. Il disparaît le mec. Ils sont calmes, frais et dispo. Et c'est grâce à Franck. Ils le respectent. C'est un jumper. Tout le monde ici lui doit quelque chose. Y compris moi. Putain de fantôme. Sans le soutien de Franck, je serais pas là. En fait, quand il cligne des yeux, c'est lui qui disparaît. En zone sombre, un mordeur. En fait, tu vois jamais cligner des yeux. En fait. Complètement défoncé. Franck nous aidera. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Fais-moi confiance. Prêt? On y va. Il est déjà énervé. Hein. Tellement stupéfiant que je sais pas. Je suis devenu l'électricité. Franck. Ils nous ont massacrés. Un par un. Comme des foutus lapins. Franck! Franck, c'est moi, réveille-toi! Toi? Qu'est-ce que tu fous ici, putain? J'interromps ma conversation avec... Ravik est mort depuis des années. Reprends-toi, Franck. Tu as de la visite. Et qui c'est, ça? La putain de reine d'Angleterre? Faut que je fasse dans la délicatesse, maintenant. Voici Aiden. Il a la clé d'accès au GRE. Walls l'a utilisée pour établir l'électricité dans la ville. La clé GRE fonctionne? Vous racontez n'importe quoi. Montre-la-lui. C'est un sabre laser. Où t'as vu ça? Sur un des hommes de Walt. Donc t'es un des hommes de Walt aussi? Doucement, Franck. Aiden est de notre côté. On pense que ça contient des données prouvant ce qu'ils nous ont fait à l'hôpital. Ah, donc tu crois toujours que tu vas découvrir pourquoi Walt a bousillé ton enfance? Ok. Je vais te dire, prêt? Parce que c'est un putain de psychopathe. Il est complètement à la masse. C'est ton Saint Graal et ton Arche d'Alliance tout en un, la One. Heureuse? Oui. Aiden, c'est ça? Oui. La One et toi, vous pouvez vous tirer maintenant. J'ai des trucs plus importants en tête.
Tu vois cette bouteille? Elle me la fout dans le cul. Ça aurait marché si ce connard s'était montré à la télévision. Une bouteille de célébration. T'avais raison, Ravik. Putain de traître. Sans lui, on était comme des gamins avec des lance-pierres face à des tanks. D'accord. Ah, trop tard. Lawan, on n'a plus rien à faire ici, allons-y. Waltz a mis le courant avec cette clé pour la première fois depuis des années. Et je doute qu'il ait fait ça par simple bonté d'âme. Et t'en as rien à foutre. Frank, putain, mais reprends-toi. T'étais une légende. Le putain de commandant des traceurs nocturnes. Est-ce que tu t'en souviens au moins? Ce Frank-là est mort, Lawan. Il est mort avec les autres à la station télé. Pourquoi Waltz remettrait le putain de courant? Me demande pas, moi, j'en sais rien. Mais si tu cherches la base de données du GRE, tu dois trouver un ordinateur pour y accéder. Le truc, c'est que... je sais pas du tout où en trouver. Et ceux qui le savent... sont sans doute morts depuis longtemps. Moi je sais, je suis électricien. Depuis le début du jeu, la bonne nouvelle, c'est que ça. On sera probablement morts nous aussi assez rapidement. Triphasé, biphasé... Santé. J'ai tout faire. Foutez le camp de mes quartiers. C'est même changé en poule de... en poule de ta chambre, si tu veux. Je te mets les LED. Tu peux changer l'ampoule dans ta salle de bain pendant que tu prends ton bain. Hein. Voilà. T'entends ça? Non. Putain, ouais. Il se passe quelque chose. Tu vérifies? Je suis derrière toi. Je pense que c'est survivant. On peut pas faire l'inverse. Mais c'est eux les survivants. À toutes les unités, des renégats dans la boucle centrale. Je répète, des renégats sont dans le centre. Ils encerclent le fisheye. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bon, renégat, c'est bon. À deux, on les fait tous. Hein. Je savais pas que t'avais fait une voix dans le jeu. Sortez! On va mettre le feu dans cette putain de cabane! Cabane! Mais sois là! Et voilà, mon jeu a freeze. Qu'est-ce qu'on regarde? Ouais, oh bah ça va, ils sont pas très nombreux en fait. Ils sont trois. Je sais pas qui est qui en fait. C'est un méchant ou pas? Étage supérieur. Non, les méchants ils sont en rouge. Étage supérieur. Bah, y'a personne. Mais. Y'a où le méchant? Ah, y'a. Y'a un mec qui bouge pas au milieu de tout le monde. Ah oui! Mon gars, c'est pas Kiki, frère. Sympa cette musique là. C'est français. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ah, wow! Oh, c'est nous, on fait? Ça va être à nous de le faire. Oui, bon, ils vont cramer un bar à clodo. Comment on y va? Je suis rentré dans le fichier, là, je suis. Je suis dans le bâtiment, l'eau. Je sais pas comment on monte. Je suis ressorti. Y'a pas d'issue. Ah si, c'est bon. Ouais, je peux pas monter. Je vais prendre un truc avant là. J'ai capté. Oui. Ça, je suis bloqué. Enfin. Tout à l'heure, je vais pas bouger. Hein. Mais. J'ai fait le tour du bâtiment pour rien. Mais c'est nul. Ah, je peux. Tu peux le TP ou quoi? Mais j'essaye de monter. Y'a rien.
je crois que j'ai raté un saut. Oh, comment mon truc il bug. Ah, c'est là. Ah, bah voilà. Mon TP. Bah, je peux pas, c'est la bagarre. Aïe. T'es entré par où? Vite, 20 secondes. Faut escalader en fait, sur le côté. Je vois pas les points cardinaux là, donc difficile à dire. Ah, sa mère, moi je suis dans le bac. Mais... Ah, c'est bon. Ah, c'était moins une. Ah, pour le coup, ouais. C'est moins une. Il y a plus de fichiers encore. Youpi. Youpipi. Youpi. Ah, c'est en bas. Tiens. Salut. Oi, oi, oi. Oh putain, c'est en bas. Bah oui. Oh la vache. Bah. Oh, j'ai raté. Catch attack. Et j'ai one shot. Oh la vache. Il est passé où? Non, oh, vache. Il est où l'archer? Madame l'archer. Bon. Détruisez le deuxième canon. Un autre, putain de merde. Ah, je suis tombé. Ah, je suis retombé. Oh bah je suis tout en bas, vas-y. Je suis tombé. Merde, un autre canon au sud. Quoi? Mais il y a trop de canons. C'est pas ça. Hey, salut poupée. Moi je suis... Oh. T'es auquel? Y'a un mec qui m'a fait tomber. Oh, faut que j'aille au sud. Attends, mais quand t'es tout seul, t'as pas le temps de faire tout ça. C'était voué à l'échec, l'eau, hein. Vas-y, je vais à l'eau. Mais c'est un zombie, ça. Oui, je te calque pas. Oui, je te calque pas. Chou d'asté au chou d'argot. Oh, aïe, aïe. Ouais, je me casse le truc. Faut rester appuyé. Mais non, je voulais éteindre, ça a fouillé. Je vous ai eu. Connard. Mais le mec, il m'a eu dans les airs, espèce de pute, j'ai failli mourir. Quoi? C'est un fantôme qui m'attaque. Mais... Ah, c'est lui. C'est genre l'archer, il me tire dessus seulement quand je suis sur le point d'y arriver. Bon, ça va, une minute. Large. Ok. C'est bon. Un sixième canon. Ils sont à l'intérieur du fichage. Ils sont francs. Ils ont bloqué la porte. Je peux pas entrer. Oh merde. J'arrive. Bon. Ah, t'as réussi, viens. Ouais, ouais, faut retourner au bar. Ah ouais, mal. Vite, mets-moi. La bagarre. J'arrive pas à rentrer. Aiden, vite. À 7 secondes près. C'est chaud, hein. Ah non, 4 secondes. Yay. 1, 0.
On a réussi. Mon Tema, il arrive à 0, mon garçon. Ok, à 3. 1, 2. Lâche-le! Y'en a un seul qui bouge! Lâche-le! Même la balle, c'est plus rapide que je sais pas quoi. Aiden! Bonjour! Super héros! Tout le monde va bien? Vérifiez qui a besoin d'aide et faites venir des médecins. Et assurez-vous qu'il y ait plus ces putains de renégats dans le coin. Oui, commandant. Toi, ça va? Jackman. Allez, Frank. Tu vas bien? Je t'ai vu te battre. Comment tu t'appelles? Aiden. Sans toi, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Allez, les gars. Sans vous. Fouillez la zone. Monsieur, j'ai une question. On cherche une base de données du GRE. La plupart des équipements GRE sont HS depuis des années. Pourquoi avez-vous besoin de cette base de données? Avec ta connaissance de la ville, tu connais parfaitement les lieux du GRE. Aiden et moi, on a besoin de cette base de données. Tu vas nous aider? Lawan, c'est ton ami? Aiden? On peut dire ça. J'ai jamais entendu parler de toi, Aiden. Tu viens d'où? Je viens... Hey, il ressemble pas trop au mec du début. On fait quoi? De vérité, hein. Moi, je trouve qu'il ressemble à Spike. Je viens d'en dehors des murs. T'as ce qu'il est dehors? Donc, t'as vu beaucoup de choses. Bah, il a vraiment la même tête. T'es probablement passé par le vieux Ville d'Or, non? Ok, qu'est-ce que tu veux savoir? Il s'est passé beaucoup de choses là-bas ces derniers temps. Nous avons perdu notre commandant, et les gens du bazar ont essayé de couper notre source d'énergie. Heureusement, ils ont échoué, nous avons tenu notre position. Mais les combats continuent. On perd des gens. J'ai également perdu contact avec le nouveau commandant, Aitor, et son unité. Toi, tu sais quelque chose? Non. Aitor est mort. On a trouvé Walt, mais il nous a maîtrisé et s'est échappé. Quoi? Où ça? Dans les tunnels, près de l'usine de voitures. Ah, Walt a décimé l'équipe d'Aitor, j'ai à peine réussi à m'échapper. J'aurais pas dû les laisser comme ça. On doit découvrir ce qui se passe là-bas. Quant à l'équipement du GRE sur lequel vous vous interrogez, vous pouvez demander au lieutenant Rove. Si quelque chose fonctionne, il le saura. Dernièrement, lui et son unité ont sécurisé les zones de l'île Culver et du parc Newdon. Mais à cause du raid du boucher, nous avons dû faire silence radio. Alors vous devez le chercher vous-même. Si vous le trouvez, donnez-lui ça. Qu'est-ce que c'est? Des ordres, pour lui et les autres unités. Ça! Bougez-vous, les gars, c'est parti! Viens dehors. Discutons. Il est où, Frankie McDoom? Frankie McDonald. Bouah! Bouah, bouah, bouah! Mais vous êtes qui, vous? Vous étiez pas là? Oh, trophée! Oh! Hors de chez moi! Hors de chez WAM. C'est quand qu'on a un arc? Et des flèches? Bah, je pense on aurait pu en avoir, je pense. Je sais pas. J'en ai pas vu chez le marchand, y'a rien en haut. Pété! Pété! Bah, attends, là en fait on est chez les survivants, quoi. Circuler des explosifs entre les lignes des pacificateurs. Mais pacificateur, non? Mais pourquoi y'a des clodos alors? Qu'est-ce que c'est pas? Parce que je sais pas. Et mon gars, il vient de dire que c'est son pote Aitor et tout. Ouais, je sais bien, mais. L'armée non, mais c'est pacificateur. Genre, tout est en bois. D'habitude, chez les pacificateurs, tout est en fer là. Parce que eux, je pense, dans cette ville, ils galèrent. Ils sont en chien. Reste en chien. Alors, point de parcours. Oh, sprinter, ça a l'air parcours bien. B. Mouais. Je sais pas, j'ai l'impression que les améliorations, elles me tendent pas trop. Hein. Je
pris sauter sur le mur. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais que les renégats n'avaient aucun. On saute pas nous. Maintenant, j'en suis plus si sûr. Bon, on t'attend, hein. Ah. Parlez. Où est-ce que t'as appris à te battre comme ça? Eh ben, sur la route, en tant que pèlerin. J'avais pas d'autre choix. Sur la route. Qu'est-ce qu'elle me baragouine? Tu te demandes pas parfois ce qu'ils nous ont donné pour nous rendre comme ça? Plus fort? Plutôt à la masse. Eh ouais. Oh. À la masse et plus fort. Je le découvrirai peut-être quand je trouverai Mia. Et maintenant? Tu l'as entendu toi-même. Rove sait peut-être où on peut accéder à cette foutue base de données. Tiens, apporte-lui ses ordres. Ne les perds pas, ou Jack risque de m'étriper. Et toi alors? Je te rejoindrai. Mais d'abord, je dois m'occuper de Frank. Tu l'as vu toi-même. C'est à peine s'il tient le coup. C'est bizarre, à chaque fois il donne les objets genre hors de notre vue. Ça me trigger de ouf. Poser des questions sur Rove. Et ce type, Rove, tu le connais? Rove. Rove? Je le connais trop bien. C'est un excellent commandant. Et une putain de tête brûlée. Je le connais trop bien. Les gens disent qu'on a plein de choses en commun. Un jour, Jack a envoyé son équipe à un endroit qui s'est avéré être une zone sombre. Tout le monde a paniqué. Il s'en serait probablement pas sorti. Mais Rove a gardé son calme. Il a fait reculer tout le monde et a commencé à taper sur des barils avec un bâton pour attirer ces putains d'enfoirés. Non. C'était un plan suicidaire. Oh, jure. Chez Slipknot, en fait. C'est que c'était un plan. C'est le clown. C'est ce qui permet aux soldats d'avoir à nouveau les idées claires. Si les traceurs nocturnes existaient encore, Frank l'aurait sûrement recruté. Jure. Ok. Bien. Commence par l'île de Culver. Les pacificateurs y ont un avant-poste. Culver. Garde ta radio sur la main en permanence. D'accord, partenaire. Ils ont fait exprès, c'est pas possible. Ils ont dit non, mais faut prononcer le L. Elle est belle cette barrière. Allez, pfiou! Ah, je trouve pas de lien pour trouver le match. 200 km. Eh wa. Et ça fait peur la nuit, hein. Ouais, ça fait peur. Ah ouais. Comment, wesh? Comment je fais? C'est bon. Oh, c'est quoi ça? Waouh! Eh, mais tu te fais super saiyané la gueule. Ouais, mais j'avais pas le son. Il a pas fait de bruit quand il m'a attaqué. Yeah! Oh, mais toutes mes armes elles sont fragile. Je sais pas si c'est normal, mais chez moi les zombies ils font pas trop de bruit. Ouais, bah enfin, il y a des bugs de son, c'est possible, mais. C'est moi, t'es en poursuite là. Ouais. Ah putain, j'étais en train de courir côté d'un zombie qui te poursuivait. Ouais, je me fais poursuivre aussi. Caméraman. POV. Putain, mais il est rapide, les gars. Je sens leur respiration dans ma nuque. Ouais, c'est moi dans ta nuque. Oh, je t'ai mis une vitesse. Oh là, elles sont là, ça fait peur. Zone dangereuse, c'est quoi ça? C'est une zone qui est dangereuse. Eh oui, mec. Ah, mais c'est sur le bateau! Sors de lui. Ouais, cool, Raoul. Coolos. Oh, il a la coupe à la mode d'il y a 5 ans. Petite coupe PNL, là. C'était pile la mode PNL et Viking. La série. Lieutenant Rove, j'ai des ordres du commandant. Je ne suis pas Rove. Il est parti avec l'équipe au parc New Dawn. Ouais, je suis le lieutenant Grady. Super. Je suppose que je dois continuer. Qu'est-ce que tu racontes? Montre-moi ces ordres, fiston.
Ah, j'aime bien sa voix. J'étais censé les donner directement à Rove. Et je suis Rove quand Rove n'est pas là. Ça s'appelle la chaîne de commandement. Donne-moi ça. Allez, grand, donne-lui ça. Attends, mais Rove, c'était le mec qui est venu au fichier. C'est quoi mais ce bordel? Le commandant a dit pourquoi on rentre au centre? Il avait pas le commandant, il a dit va voir lieutenant Rove. Mais c'est qui Rove? Je suis que le messager. On l'a pas vu encore. Ok, ouais, je me dis, c'est bizarre, le mec il le reconnaît pas. Le commandement nous ordonne de nous retirer. On retourne à la base. Quoi? On quitte l'avant-poste, c'est ça? Ne me pose pas de questions. Ah, c'est des infiltrés. Tu ne peux pas te cacher derrière la de meilleur ici. Vous nous abandonnez? Qu'est-ce qu'on va faire? On sera sans défense. Va donner des armes aux survivants. Nous être sans défense. Si j'étais vous, je leur donnerais des tonnes d'armes. Oh, mais oh. Les renégats ont envoyé un détachement. Tu as d'autres bonnes idées, Cyril? Juste une question. Sucre. Je parle comme je te l'ai dit. Je sais pas s'ils sont déjà arrivés là-bas. Apporte-lui ça et dis-lui que je m'en occupe. Ça, j'aimerais pas être à ta place, l'ami. Rove va péter un plomb quand il va lire ça. Et je suis ici pour sauver. Oui, pas pour perdre la vie. Elle sortit une feuille tout droit de ses fesses. Merci du conseil. C'est un fax. On n'a aucune chance. Je suis vraiment désolé, civil. Mais nous avons des ordres. Un civil. Ah bah voilà. C'est des civils. Oui, mais c'est une base de. Contrôlée par les pacificateurs. Moi je croyais que c'était des mecs en planque. Déguisé quoi, je connais pas les termes. Alors, moi je vais prendre des armes d'ailleurs. Oh aïe aïe. Une hache à 95 de dégâts. Oh le hussard. Tu sais le truc où il fallait s'inscrire là, il te donne le hussard. Et à chaque fois il prend plus de dégâts. Et combien? Là il est à 113. Oh mais en fait c'est trop bien de laisser ses armes dans le truc. Putain, j'ai trouvé un lien. Oh Mbappé. Oh la vache putain. Assoye moi. Voilà. Ah tu fais bugger le mec. Zoom. Comment il s'est déplacé? Ça a vraiment changé la donne. On Quoi peut rester en toute sécurité dans les endroits éclairés. T'es content de toi? Tu crois que c'est une bonne chose de laisser la ville aux mains des pacificateurs? À qui parle? Complètement ouf. Hein. Je crois que 15 ans de pandémie, ça a rendu les gens fous. Hein. Lawan, je suis parti du Newton. Apparemment, Rovi est allé. Je comprends toujours pas pourquoi les renégats ont attaqué le Fichai. Ils ont leur camp, et Boucher n'a pas attaqué le Fichai depuis au moins... Enfin, jamais. Même lui respectait les traceurs, donc... Hop. Aucune idée de ce qui se passe dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête? Ah non, c'était en bas, putain. Ah non, c'est pas en bas, ça va. J'ai peur. C'est en bas que je suis allé. Dis-moi plus à son sujet. C'est super loin, t'es ouf. Le colonel. C'est le chef des renégats. Il a donné l'ordre d'asperger. Putain, mon lien a déjà... expiré. Ouais. Je suis désolé. Vous devez patienter. Je patiente quoi là? Pas moi. C'est tellement loin de toi que je charge une. Dans toute ma vie. Et si ma mère était douée pour quelque chose, c'était boire de l'alcool. C'est comme ça que tu dis dans le programme de Watts. Dégage. Tiens de le dire. Oh oh. Non, mais en fait, les barbelés ça met des dégâts de saignement. Saignement soir. Craché dessus le mec. Je me fais boumer. Où est-ce que... Ah, c'est à cause de toi qu'on est poursuivi. Ah, mais c'est sur le pont. Oui. Ah, je tombais. Comment on monte? Je sais pas. Non, mais comment on sort? T'as une merde. Je crois qu'on a raté la bretelle. La prochaine est à 7 km. Putain, j'avoue, comment on fait? Ouais, salut Naz. Ah. J'ai trop parlé. Allez, venez, venez, venez. Ta mère, la pute. Vous tous.
Laissez-moi tranquille, laissez-moi prendre mon truc. Ça, c'est ma fusée. Putain, mais... C'est où qu'on monte? C'est bon, je suis monté. Moi, je suis... Ah, c'est bon, je suis safe. Oh. Ah, voilà le début du pont. Mais c'est un méchant! C'est des gentils! Ouah, il m'a sauté dessus! Vas-y, TP-toi! Je crois que j'ai fait tout le chemin pour me TP. Bah oui! J'arrive avec les mecs derrière moi. Ah non, c'est bon, ils me suivent plus. Bon, ça va en fait. Easy money. You got many tech. Laisse-moi tranquille, je t'en supplie. Oh, c'est le même. Tu l'as vu? C'est la voix du mec dans le premier. T'es qui toi? Pourquoi tu demandes? J'ai des ordres du Major Matt. Le lieutenant Grady a dit qu'il était ici. T'es qui toi? Où sont ton escouade et ton commandant? On était en train de monter le camp quand les renégats nous ont attaqués. Rove et les autres, ils en ont eu quelques-uns. Et ils ont poursuivi ceux qui ont essayé de s'enfuir. Et toi? J'ai pas pu les suivre. Et j'ai perdu le contact. Puis un autre groupe m'a attaqué. Qu'est-ce qu'ils font ici? Les renégats n'attaquaient pas nos positions au centre. Oh merde! Il a des DRA. Allez vous faire foutre. Bien sûr. On y va de ce pas, n'est-ce pas, messieurs? Oui. Regarde, il va se prendre un front kick. Un double front kick. Merde. Y'a combat. Oh non, ça va. Deux front kick, il est mort. Ça va pour lui. Il... faire sa gueule, le gars. Pipalipopop. Alors, fabrication. Moi, je suis mort. J'abandonne ça. Ils m'ont soulevé ma mère. T'es où? Ah, ça marche pas? Si, c'est bon. D'accord. Ils sont morts? Non, non, ils arrivent. Hop. Kratos. Kratos dans la crotte. Oh, ils esquivent tout. C'est quoi ces mecs? C'est quoi cet archer qui vient au cac? C'est bizarre lui. Bien au bout. Bien au bout. Sors de là, les mines. Et moi, je vais faire l'amour. La zone est sûre maintenant. Tu peux sortir. Sûr, sûr. Alors, où est Rove? Un grand. Le camp était censé être là-haut, sur le toit de l'hôtel, au croisement avec New Walls Drive. Y a un treuil à l'arrière du bâtiment. Tu peux monter avec. S'ils ont pas encore pu revenir, c'est là que tu les trouveras. J'ai envie de toi, Nico. Merci. Si tu peux rentrer à la base par tes propres moyens, vas-y. Et évite de te faire enfermer, j'ai envie de ok dormir, j'ai envie de toi. Évite. Trouver le commandant à l'avant-poste. Oh là, ça met trop de temps, en mode épique. J'ai localisé Rove. Il est dans l'hôtel à l'intersection de New Walls Drive et Varion. Varion? Alors, est-ce que je suis pas tombé? Ah, c'est bon. Merci. Putain, le son est bug de ouf. Bug de ouf. Trop de trucs là. Wow, ça freeze. Ouf, hein. Oh, j'ai pris une steak. Ah,
Salut les renégats. Tu t'en feras pas comme ça. Il y a un cracheur de feu. Je suis sur le toit. Ah, tu veux que je soulève? Tu dis spam des. Non, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on te fait pour monter? Il y a un truc, une corde là. Tu sais, les cordes magiques qui montent tout en haut. Ah, oh, je vais mourir. On prend une gifle, je suis mort. Et... T'as eu où la corde, mais. Yay! Boule. Attends, je suis en train de me bagarrer là. La corde. Comment te dire? T'es monté là? Non, mais je me fais poursuivre. En train de me casser, je sais pas où. Mais... De toute façon, je suis arrivé à un point où... Ça, c'est les soldats de l'infini, eux. Ils ont trop de PV, c'est quoi ça? Ah, c'est bon, ah, je suis safe. Ah. C'est pas lui qu'il faut sauver? Ah si. Et comment on monte? T'as le son est tellement bugué que il y a le son de ce que j'avais fait, de ce que je faisais il y a 20 secondes. Oui, moi aussi, il y avait ça tout à l'heure. Pas encore, mais je suis tombé sur des renégats. Oh, il y a un mec vénère. Vas-y, comment ça se passe? Dis pas encore. Le garde de renégats. Ouah, je suis mort. Je comprends pas ce qui se passe. Tu te suicides parce que je suis au bout de la main. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai réussi à m'enfuir. Ah, il m'a vidé. Hein. Attends, mais comment je remonte du coup? Ah, c'est là. Oh là là. C'est une galère. Non, non. Ah si, t'es pas loin, ouais. Comment t'es pour monter? Une corde. Oh, toi t'as rendu des cordes, c'est incroyable. M'énerve lui. Nique sa mère et tous. Attends, en plus faut que je change d'arme. Aïe. Oh mais j'ai raté tout là, tout à l'heure, je suis une merde. Inventaire. C'est bon, il m'attaque pas là? Non, c'est bon. Oh, j'ai un arc! Ouah, je savais même pas! Comment j'annule une flèche? Ouais. Ah, mais non, il est avec nous lui. Désolé. Je suis en train de libérer un mec. Qui me touche? Ouais. Qui m'a tué? Mais. Je suis tombé! Oh, y'a rien qui va! Oh, je suis mort! T'es mort? Oui, bah oui, je suis tombé. Mais en fait, je tombe, j'essaie de me raccrocher, j'ouvre le parachute et tout, c'est n'importe quoi. Allez. On repart sur de bonnes bases.
Ah oh ouais, non mais là c'est pas possible ce que vous me faites les gens. Déjà je commence, ils me font spawn sur, au bord d'un ravin et je suis mid-life déjà. Pourtant ils se font spawn là-bas et moi je suis... Mais c'est n'importe quoi, je... merde, putain. Oh là, c'est là, bon, là c'est plus la nuit là, c'est pas les couilles frère. Et c'est dur le gameplay arc. Le gameplay tout court hein. Oui, non, c'est trop dur de viser. En plus j'essaye de mettre des tirs dans la tête mais... Ah voilà. Je crois que j'ai bientôt plus de flèches, de toute façon. Mais moi je voulais pas un arc. Et celui-là, les zombies sont racistes. Tout de suite. Ah non mais pas d'autre solution. Oh, y'a un truc qui a grouillé dans mes oreilles. Y'a un insecte qui a fait tic 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 tic. Ding 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 ding. Un méchant ça ou ça, c'est un ancien. Oh bah j'ai libéré ça. C'est un haut le truc, comment t'as pu monter? Faut monter sur... Ouais, escalier. Ah, je sais pas. Moi j'ai escaladé. Bagarre. Mon gars, en one shot, j'ai one shot, c'est incroyable. En one shot, tu l'as one shot? Ah ouais? Ouais, mec. Ce serait tellement c'est pas libérer des pacificateurs. Il est où le chef? Il est mort? On est mieux ici que sur le bateau. Je sais pas, ouais, j'ai mis un double. double full kick. Mais genre, ça faisait 3 jours que je le tapais. Ouvrez. Ouais, monsieur. Y'a plus de méchants. Ah, si, y'en a un. On va en avoir un quelque part. Mais... Ouvrez, monsieur. Il veut pas ouvrir. En plus, il y a un inhibiteur juste derrière la porte. Jure. Bah ouais. Ah, ça, c'est vers le bas. Oh, mais genre, on doit éliminer les mecs qui sont tout en bas pour remonter. Comment c'est pour descendre par contre? C'est où les méchants? J'ai plus de batterie dans la manette. Non, super. Ils sont dans le bâtiment, mais on peut pas rentrer dedans le bâtiment. Je sais pas. Attends, si je descends, non, on peut pas ouvrir l'ascenseur. Y'a rien sous les escaliers. Ça se trouve, y'a un passage secret. Secret. Secret de passage. Secret de Santa. Vas-y, je descends pour voir. Yeah! Oh, j'entends non, des c'est... mecs. Non, c'est pas assez bas en fait. Je pense. Non, ça c'est des zombies, ça, c'est pas la même chose. Attends, c'est quel bâtiment? Je suis perdu.
Bon, mais je sais pas quoi faire. L'inhibiteur est juste en dessous de moi. Incroyable. T'es sur le toit là? Non, je suis dans. Je t'en bats. Oh, j'essaye de faire un 360, mais c'est impossible. C'est tellement pas maniable ce truc. C'est horrible le. Bye. J'essaye de tourner et ça me fait juste tourner la vue et rien du tout. Dégage de là. Où y'a pas d'entrée Je sais pas, moi j'essaie de monter et de redescendre. Je croise personne de toute façon. Si j'essaye d'aller là, là. Il me bloque ce chemin. Tu es pacificateur ou quoi? Je suis à deux doigts de le faire. Je vais le faire, hein. Je vais le faire. Tu t'as acheté, tu seras jamais où je suis. Oh mon coup de cheat. C'est chiant là, on peut rien faire. Ah. Parce que tu vois, je vais faire des bonnes donuts sucrées. Attends, je reviens. Je sais pas pourquoi là.